Aujourd'hui, on a été voir un de nos clients à Saint-Pierre et on a été gentiment accueilli par Steven Vert, utilisateur de Willow depuis 2018. C'est un passionné de mode. Il communique beaucoup avec ses clients, sélectionne ses pièces avec beaucoup de soin et connaît sa clientèle sur le bout des doigts. Alors, ce qui était pour nous on va dire le facteur déterminant de la migration, c'était un, on avait un système qui était un peu off-dated, quoi. Il était périmé. J'avais également un problème d'étiquette, parce que le logiciel qu'on avait nous imposait un certain format d'étiquette et de fonctionnement en fait en boutique qui était vraiment archaïque, quoi. Consommation de papier. Aujourd'hui, avec notre environnement, il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on consomme et tout ce qui est déchets. Et donc, du coup, je trouvais que, ayant cette sensibilité-là pour la planète et tout, je trouvais que c'était pas du tout cohérent. Là, aujourd'hui, on n'a plus de tickets, on n'utilise plus de cahiers de caisse. Nos étiquettes, on en imprime, par exemple, sur une page 40. Certes, il y a un bout de papier qui reste, mais il est vraiment beaucoup moindre qu'à l'époque. Au vu des, comme je vous ai dit, des articles qu'on brasse à peu près 15 000 par an, on va dire, de création de petites étiquettes et tout, donc c'est assez important, on va dire. Donc ça nous a motivé à migrer sur Légende, et après, de Légende, on a pu avoir des fonctionnalités, comme je vous disais, l'accès à distance, ce genre de choses-là, la création de la fidélité qu'on a pu aussi coupler avec notre fichier client. Ça, c'était déterminant. On ne l'avait pas eu au départ, mais il a été créé pour nous. Et je pense, je regarde un peu le logiciel. Après, je pense que notre comptable aussi est content, puisque du coup, extraction comptable. Ça, pour eux, maintenant, c'est le Saint Graal, quoi. Alors qu'avant, il fallait qu'ils épluchent tous les tableaux Excel et tout ça qu'on pouvait faire. Oui, d'une manière générale, oui. On fait toujours un petit tableau à côté, mais là, il y a des choses qui sont qu'on peut aller chercher, fouiller en profondeur, entre guillemets, quoi. Hein, des règlements CB bien particuliers sur une vente, des trucs... Ouais, non, c'est clair. L'ancienne solution à Légende, ça s'est passé relativement bien. Après quelques semaines de calage, forcément, des allers-retours de fonctionnalités, etc., mais on peut dire que bon, là aujourd'hui, 4 ans après, ça fonctionne comme sur des roulettes, mais ça s'est passé relativement bien. Les équipes ont répondu de façon assez spontanée à nos demandes. Oui, des adaptations d'intégration, d'importation d'articles. Parce que dans notre métier, on crée énormément de références et il fallait que sur notre étiquette de vente, il y ait certaines informations dans un certain sens, et donc du coup c'est pour ça qu'on a cette fonctionnalité qui a été créée, et également un tableau de bord. Et nous avons travaillé avec Willow également pour basculer le système de fidélité qui n'était pas associé à notre CRM pour que là il le soit, et ça ça a demandé une adaptation du logiciel Légende spécialement pour nous et des nouvelles fonctionnalités. J'utilise les gens de côté vendeur et également côté back-office. Et du coup, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir utiliser et de débloquer, par exemple, un collaborateur qui aurait une restriction sur son poste à Saint-Denis, Saint-Pierre, tout ça, à distance. Ça, par exemple, c'est des choses qui sont sympas.